Aux côtés d'Eddie Constantine, Johnny Hallyday fait une rentrée à tout casser. Bah pour moi, de faire du cinéma, ça m'intéresse dans le sens que j'en ai assez des fois de faire 500 km par jour pour chanter et puis ensuite de refaire 500 km dans la nuit pour rechanter le lendemain. C'est pas de chanter qui est fatigant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est de faire les kilomètres. Alors pour moi, de faire du cinéma, si ça marche, ça me donne la possibilité de prendre plus souvent des vacances. Certaines vedettes de cinéma sont passées à la chanson. Est-il plus facile, à votre avis, de passer de la chanson au cinéma? Comment vous préparez-vous à cet autre métier? Bien, vous savez, moi, j'ai démarré dans la chanson. Quand j'ai commencé à mes tout débuts dans la chanson, j'avais commencé à chanter en... Et dans mes vues, c'était de faire du cinéma plus tard. Et je démarrais par la chanson d'abord. Mais ce qui est très difficile, par exemple, pour un acteur de cinéma, c'est par, ou un chanteur, c'est par exemple de jouer une pièce, par exemple, au théâtre. Je pense que de jouer à l'écran, c'est pas très très difficile, parce que en fin de compte, les plans sont toujours coupés, on dit deux mots et puis on arrête, on reprend plus loin. C'est un métier qu'il faut apprendre, c'est un métier merveilleux.